infiniment plus petits, voilà nos pires ennemis. Bactéries, virus, poisons, toxines. Si on s'installe dans l'estomac, ça peut faire une belle gastrite. Par le nez, c'est facile d'entrer. Une petite allergie, il n'y a rien de tel. Moi, je dis qu'une intoxication alimentaire, c'est à considérer. Heureusement que nous sommes là, nous les sentinelles du corps. Les lymphocytes B, les lymphocytes T, les polynucléaires, les macrophages et bien d'autres. On s'appelle aussi, plus simplement, les globules blancs. Nous sommes plus d'un million de milliards dans un corps humain pour veiller sur lui et le protéger. Les globules blancs doivent apprendre à distinguer nos amis de nos ennemis, combattre et détruire ces derniers. Voici des virus de toutes sortes. Ils ont besoin des cellules du corps humain pour se multiplier. Donc, ils les envahissent et les détruisent. Ils provoquent des maladies. Bactéries. Elles s'installent dans les recoins favorables pour proliférer. Ah, voici les staphylocoques, ou cocci. Ils sont redoutables parce qu'ils ont appris à résister à de nombreux médicaments. Ils sont à détruire sans merci. Mais il y a aussi des bactéries bénéfiques, des amis dont le corps a besoin. C'est par millions que celles-ci aident à digérer les aliments, à fabriquer des vitamines. Bien sûr, il ne faut jamais les attaquer. Nos amis du plasma sanguin, protéines, lipides ou graisses, sucres, sels, minéraux, vitamines et bien d'autres. Et vous savez, ils représentent plus de la moitié du sang. Presque tout cela sont les aliments du corps. Et le corps a constamment besoin d'une grande variété de matières, car il est en continuel renouvellement. L'autre moitié du sang, ce sont les porteurs d'oxygène, ce carburant des moteurs des cellules. Et ces porteurs, ceux qui donnent au sang sa couleur, sont nos amis, les globules rouges. Et les petites plaquettes qui réparent les plaies et règlent la fluidité du sang sont aussi nos amis. Toute cette gentille population est complètement désarmée. Et c'est une de nos belles fonctions, nous, les globules blancs, que de les défendre contre nos ennemis. Et de ne jamais se tromper. Nous, les globules blancs, nous sommes de diverses espèces. Lymphocytes de type B, nous combattons l'ennemi en expédiant nos para-anticorps. Nous en larguons 2000 par seconde. Tous ceux-là sont destinés à un seul type d'ennemi. Eh bien nous, anticorps métro, nous sommes spécifiques au virus de la grippe. Mais nous avons des spécialistes dans tous les domaines. S'il y a beaucoup d'ennemis, nous ne restons jamais seuls longtemps, car les autres accourent. Et il y a la mitose, le dédoublement. Nous avons aussi parmi nous lymphocytes T, des unités tueuses. Leur mode d'action est différent. Tout cela représente une petite moitié des globules blancs. La grande moitié, ce sont nos fidèles amis, les polynucléaires. Ceux-là combattent directement. Mort aux envahisseurs ! Et tous les moyens sont permis ! Dans le corps humain, nous ne trouvons pas seulement des invasions de hordes ennemies. Mais aussi poussière, saleté, déchets, toxines diverses. Traiter comme il convient ces étrangers au corps humain, c'est la tâche des macrophages. Avec les macrophages, la place est nette. Saleté, particules diverses, virus, bactéries, tout y passe. Et oui, ils avalent tout, ennemis, morts ou vivants, ou même amis. Parmi nos aides, n'oublions pas le petit interféron. C'est un messager ultra rapide qui court informer ses voisins quand une cellule se trouve envahie. Invasion de poxvirus. On demande tous les défenseurs à leur poste. Pour
Pour défendre les globules rouges et les autres éléments du sang, nous pénétrons dans les vaisseaux sanguins. Notre plasticité est telle qu'elle nous permet de nous faufiler partout. Infiltrons-nous dans la veine jugulaire et dirigeons-nous vers la veine cave supérieure et le cœur. Notre objectif, le poumon droit. Enfin, les bronches. Un peu d'air frais. Tout est calme, mais restons vigilants. Allez, allez, il n'y a personne en vue. Au boulot, on va se payer une de ces bronchopneumonies. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu arrives trop tard. Regarde bien, nous sommes déjà des millions. Alerte, infection virale identifiée. Envoyez renfort. Mitose. Vous venez de participer à une action de routine. L'infection est enrayée.